Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est la vidéo tant attendue, la VAR, la VAR. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans cette course, vraiment avec plusieurs caméras. Vous allez être très très content de voir toutes ces caméras, que ce soit à vitesse réelle ou au ralenti. C'est simple, hein, vous allez comprendre. Vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir donner vraiment un vrai jugement de ce qui s'est passé entre la BMW de Gregor Schill et moi-même avec cette Porsche 992 GT3. Mais tout d'abord, on va faire un petit cours de culture générale. Alors, c'est quoi un incident de course? On peut en parler pendant des heures, les gars, hein, vraiment. Alors, pour moi, un incident de course, c'est un accident qui implique un ou plusieurs véhicules et c'est un fait de course significatif. Cela peut inclure des collisions, des sorties de piste ou des incidents qui entraînent l'apparition du drapeau jaune ou rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment analyser l'incident de bout en bout grâce à des caméras, plusieurs types de caméras, le slow motion, des caméras embarquées, et ça peut nous donner vraiment des informations pour pouvoir prendre une décision. Il y a plusieurs types de décisions, des amendes, des pénalités de temps pour le pilote, des points retirés aussi pour le pilote, des exclusions de course, drapeau noir, ou même des suspensions pour des infractions plus graves. Il faut avoir du bon sens le plus possible pour justement donner une vraie décision, une décision partagée et objective pour déterminer s'il y a une sanction ou s'il n'y a pas de sanction à mettre, du coup le No future action. Je vais vous demander de juger mon action en toute objectivité. Alors, pour remettre dans le contexte, il faut absolument regarder la course et voir toutes les infos qu'il y a eu pendant cette course, l'intensité. Je suis P2 actuellement. L'incident de course va arriver et je vais demander à vous, en tant que commissaire de course en herbe, de juger cette action. Goes and has a look for himself. Yeah. Which I think, Peter, I think. Pourquoi les meilleurs arbitres sont chauves? It looked dramatic. It looked clumsy from Eric Bye. In reflection, he does get there first. He does make contact. Yes, there's a bit of momentum. Yes, there's some follow through. It's not the worst I've ever seen either. If you actually watch his boot, it just brushes the side of Nat Phillips's leg. I don't think that's a penalty. Actually, we've had a couple of these in recent weeks, haven't we? We have. The Balbuena one. Correct. Playing the ball, following through, no question there's a collision. He's been well advised. Caméra 2. Caméra 3. Caméra 4, slow motion. Caméra 5, slow motion.
Caméra 6. Caméra 7, slow motion. Caméra 8. Pour toutes les personnes qui ont mis un commentaire dans la vidéo précédente de cette course où je me suis battu contre Gregor Schill, est-ce que vous changez d'avis? Oui ou non? Et toutes les personnes qui découvrent cette vidéo, est-ce qu'il y a pénalité? Pour moi bien sûr. Ou no future action? Je vous laisse sur cette vidéo. Voilà la vidéo complète et vraiment bien détaillée de cette VAR, on peut appeler ça comme ça. Donc j'aimerais que vous donniez votre avis, peu importe la décision, le commentaire. Je lis tous vos commentaires déjà, donc merci à vous déjà de participer à cette vidéo. C'est vraiment important pour moi. Je tenais vraiment à vous remercier pour le coup. Et puis si vous voulez aussi devenir commissaire de course un jour... En tout cas, cette action, cet incident, ce fait de course peut vous amener à soit me donner une pénalité, soit une amende, soit un retrait de permis, soit un no future action comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc vraiment, je suis tout à vous. Mettez un maximum de pouces bleus dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. J'espère que le contenu vous a plu. J'essaie de changer un petit peu le contenu de ma chaîne YouTube, mais tout en restant vraiment focus sur le simracing, bien sûr. Mais voilà, j'essaie de toucher un peu à tout. Vous m'encouragez énormément, en tout cas sur Twitch. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne, vous follow gratuitement sur Twitch pour voir mes directs. Ça vous permettra de voir mes actions, mes humeurs, mes émotions. Et je peux vous attester que même... en direct, il se passe des dingueries, donc faites-vous plaisir. C'est du divertissement avant tout. Je ne suis pas vraiment dans le côté sérieux, même si le sim racing, c'est très sérieux, mais je veux quand même m'amuser. Et puis si on peut s'amuser ensemble, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc merci à vous, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, et on se dit à très vite. Ciao, ciao les amis. Peace.